que je pourrais faire aujourd'hui? Ah oui! Et si je lisais un peu? Alors, oui, ça j'ai lu. Oui. Ah oui. Ah, sacré Homer. Oui. Hé, Loïc, qu'est-ce que tu devais parler de autre chose? Tu devais pas parler des livres des Simpsons, mais parler des jeux vidéo. Allez! Non. Vite, dépêche-toi, vite! Mais pas des jeux vidéo, mais je m'en fous que t'as un air. Je m'en fous totalement. Ah, c'est toi? Ah non, aïe, aïe! Salut tout le monde! Et oui, aujourd'hui on va non, parler du vidéo. Non, sans blague! Mais tu vas te taire, oui! Non, arrête, aïe! C'est bon, il a eu son compte. Donc, comme je disais, on va parler du vidéo. Certaines personnes disent que les jeux vidéo rendent violents. Mais si je joue aux Sims, est-ce que je pourrais devenir comme... Oui, ce mec fait bel et bien du kamehameha avec de l'électricité. Où est la logique? Bref, ce que je veux dire, c'est que les jeux vidéo ne rendent pas violents du tout. Quoique, si, je peux devenir violent en fait. Allons-y! Cet individu a voulu rester anonyme, mais veuillez écouter des propos à propos des anciens jeux vidéo dans le temps. Merci, et c'est un geek. Et ben moi, je me rappelle dans mon ancien temps, on devait souffler dans les cassettes de Game Boy pour pouvoir y jouer. Mais maintenant, ça a complètement changé parce que maintenant, dans la PS3 ou dans la Xbox, il y a des CD. Bon, ce que je veux dire, c'est que franchement, merci. Certes, oui, avec ça, par exemple, on peut devenir violent, mais avec ça, il y a des doutes quand même. On parlait de quelque chose d'autre pour voir ça de plus près. Ou bien dans la flemme. Mais franchement, ce que je veux dire, sérieusement, arrêtez avec ça. Arrêtez de dire que le jeu vidéo rend violent. S'il vous plaît, arrêtez, ou sinon vous aurez affaire à moi. Hein. Ou pas. La vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux, tu peux laisser un petit j'aime ou t'abonner. Ou laisser un petit com. Allez, ciao.